queue, donc tu freines les deux pédales en même temps. Voilà, ça fonctionne. Et puis maintenant tu peux partir à droite tout de suite, donc pied à droite à fond. N'oublie pas que le volant sert strictement à rien au sol. Donc tu mets du pied à fond à droite. Encore ? Ouais, à fond. Il faut qu'on aille chercher le taxiway le plus vite possible. Alors sur les gros terrains, ils suivent des marquages au sol. Nous là, t'as pas de marquage. Par contre, tu dois aller sur le taxiway le plus vite possible. Et les marqueurs blancs, c'est les pistes. Ouais. Et jaune, c'est le taxiway. Donc là, tu peux tourner à droite. Voilà. En tournant à droite, on voit que les virages augmentent ici et là. La bille, t'as vu, elle est partie du côté opposé. Et l'aiguille, t'as dit que tu tournais. Et l'horizon est stable. Fox, Québec Bravo, je suis en sortie de secteur par l'est et je quitte la fréquence pour passer avec Saint-Cyr. Bon, on est tous. Donc là, pour ton deuxième vol, donc l'objectif du vol, si on récapitule par rapport au briefing, c'est d'abord le repère Paroise. Ouais. Ok. Ensuite, donc on va le dessiner, on va prendre des assiettes de montée, descente, virage, etc. Après, ça va être ce qu'on avait vu la dernière fois, donc vol à différentes vitesses, et ça va nous permettre de quantifier aussi les différences d'assiettes sur le RPV quant à entre le vol à 110 nœuds en croisière et le vol lent à 82 ou 90 nœuds, forcément tu auras une assiette différente. Et on termine par le trim et on rentre. Ça marche. Donc j'ai bien pensé à prendre les stylos, sinon la leçon elle est foutue, tu vois. Donc, stylos tu vois... sponsorisés. Ouais. Ah non, là c'est les feutres. Ah oui. Donc là tu vois, pour le dessiner, je ferai un trait, un rond, un trait à l'endroit où le ciel rejoint la Terre. Je le ferai en premier et tu le feras en deuxième. Et évidemment, on fera en sorte de faire ça une fois que l'avion sera trimé. On va aussi profiter de vol numéro 2 pour vérifier ce qu'on a vu au vol numéro 1. Donc au vol numéro 1, on a vu un certain nombre d'effets secondaires. T'as vu, quand augmente la puissance, l'avion part à gauche, souffle hélicoïdal. Bien connaître à chaque fois l'origine et la conséquence. Bah, l'origine, l'augmentation de la rotation de l'hélice, crée un flux d'air qui fait une hélicoïde autour de l'avion. Ça vient frapper le plan vertical de la dérive. Et la conséquence, ça provoque une embardée du nez de l'avion dans le sens opposé de la rotation de l'hélice. Notre hélice tourne vers la droite, donc le nez de l'avion part à gauche. Alors on a vu aussi l'effet cabreur la dernière fois, l'effet piqueur. Et là, on va pouvoir le quantifier parce qu'on aura dessiné un repère Paroise. Et on a vu que nous, on le mesure en centimètres et on l'exprime en degrés. Parce qu'en fait, les horizons artificiels, c'est en degrés. Mais d'accord. Nous, on ne pilote pas avec un horizon artificiel, on pilote avec un outil super simple, qui est le repère Paroise. Déjà, tu vois, Audrey, que le roulage est plus ou moins droit. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Hein. C'est pas mal. Hein. Quand ouais, tu commences à freiner un petit peu, voilà. Voilà, on réduit un petit peu, et tu freines définitivement l'avion. Vas-y, freine à fond. Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit de dépasser le repère. Voilà. On met, tu peux enlever tes pieds des freins, on va mettre le frein de parc et on reprend la checklist. Je vais fermer. Ok. Donc on en est essai moteur. Donc frein de parking serré. Abord avant arrière, on vérifie qu'il n'y a personne. Okay. Ok. Mixture, elle est bien plein riche. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'avions où ils mixturent au roulage. Ça permet de faire chauffer le moteur. Huile, température, pression, on peut vérifier. Donc la pression d'essence, ça va. Température d'huile, pression d'huile, tout va bien. Volant tenu, pied sur les freins. Alors c'est important de cabrer. Volant tenu, c'est-à-dire cabrer, parce que vu qu'on va augmenter les gaz, il faudrait pas que l'hélice, elle touche. Ok. D'accord. Régime, tu vas dire, alors, tiens-le d'une main gauche et la main droite, tu mets 1800 tours. Vas-y, 1005, 1006, 1007, encore un peu. Et 1008, ok. Maintenant, tu as les essais magnéto. Il faut y aller hyper doucement pour pas éteindre le moteur. Donc vas-y, coupe la première magnéto. Donc tu prends tes mains comme ça, regarde, tu fais 1 et tu reviens. Alors, vas-y, coupe juste une fois. Donc tu... Voilà, stop. On était à 1008, on a perdu 100 tours. Remets boss. Ok. Et maintenant, tu vas aller deux crans à gauche. Donc le premier une fois, vas-y. Hop, et un deuxième. Voilà, pas plus. Si tu fais un cran plus, on éteint. Pareil, on a bien perdu 100 tours. Tu remets les deux. Et ce qui te demande de comparer, c'est que tu as perdu 125 maximum, on a perdu 100, et qu'il y a moins de 50 de différence entre la magnéto gauche et la magnéto droite. D'accord. Donc tout va bien. Après, on va essayer
la mixture, alors je te montre, si j'appauvris, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, le moteur va moins bien tourner. Il va tousser un peu. Là, tu vois, il commençait à tousser. Ok. Et c'est réchauffe carbu, je dévie le flux d'air, j'envoie de l'air chaud, le moteur tourne moins bien parce qu'il y a moins d'oxygène dans l'air chaud. Okay. Donc je perds des tours et ça remonte pas, donc on givrait pas. Tu verras après pourquoi. Ok, je remets, ça remonte. Dépression. La dépression, bah on a vu que ça fonctionnait. Ici. Et maintenant, le ralenti. Donc tout doucement, tu vois, je monte pas d'un coup sec. Tu réduis tranquillement, voilà, vas-y à toi, tu réduis tranquillement jusqu'à mettre la manette complètement en butée. Vas-y, tu peux y aller un peu plus vite. Voilà, l'idée c'est de vérifier quoi? C'est que le moteur ne cale pas. D'accord. Et que le ralenti n'est pas trop haut. Si on avait un ralenti trop haut, on ne pourrait pas se poser. Et après, on remet 1200 tours pour ne pas encrasser les bougies. Tu vois, ils te disent régime 1200 à la fin. On a terminé les checklists de ces moteurs. On va passer à l'avant alignement. Atterrisseur, c'est un train fixe. Contact, 1 plus 2. Pourquoi? Parce que sinon, on aurait 100 tours de moins. Ok. Compensateur, on l'a mis en position take-off. Commande, tu avais ceinture attachée, cockpit verrouillé. Commande, vérifie que tu as les pleins d'ébattements. Tu te rappelles comment on fait? Tu pousses à fond, tu tires à fond, et après, tu tournes à fond, etc. Alors, tu as deux façons de le faire. Soit tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Okay. Sauf quand tu as des gens qui vont te gêner avec les tablettes et tout. Et dans ce cas-là, tu testes le plein, les ailerons ici et la profondeur comme ça. Et sinon, tu peux pousser, tirer, faire comme ça. Ok, commande libre et dégagée, huile, température, tout va bien. La pompe, tu peux la mettre. Ok, volet, un cran. Ok, donc les briefings. Traitement des erreurs et des menaces, aujourd'hui, il n'y en a pas. Allez, si, la menace, c'est Audrey. Voilà. Il n'y a pas vraiment de menace, il fait beau, il n'y a pas de vent. Si, il y a des... Ouais, mais ils sont passés, là, les petits grains. Il n'y avait pas du cumulonimbus quelque part? Ah, Pontoise. Briefing décollage, on s'aligne sur la 28, plein gaz, on soulage à 50, 60 la rotation. Si on a un problème avant 60, réduction freinage arrêt, on prévient les autres avions. Si on a une panne mineure après, par exemple un voyant ou n'importe quoi, on fait un tour de piste, on vient se poser. Si on a une panne majeure, je reprends les commandes, on va droit devant. Et le briefing départ, là on va monter jusqu'à 1450 pieds et je te guide. Ok. Ok. Et donc tu vas faire le message, les bureaux, Fox Yankee Lima. Ah oui. Au point d'attente 28, on s'aligne et on décolle pour un vol local. Au point d'attente 28, on s'aligne et on décolle pour un vol local. Voilà, les bureaux, Fox Yankee Lima, au point d'attente 28, on s'aligne et on décolle pour un vol local. Les bureaux, Fox Yankee Lima, au point d'attente 28, on s'aligne et on décolle pour un vol local. Impeccable. On y va. C'est plus difficile que les annonces d'hôtesse. Hein. Allez, je t'avais prévenu, la radio c'est toujours un moment hyper difficile, ça vient avec le temps. Mais il faut comprendre que tes messages doivent être utiles aux autres avions. Ouais. Donc auto, les bureaux pour qu'on sache où t'es. Fox Yankee Lima, t'as plus besoin de dire un PA28, etc. ni l'immatriculation complète que tu as déjà utilisé. Et où est-ce que t'es, ta position, t'es au point d'attente, et quelles sont tes intentions? Imagine un avion qui arrive là, qui veut s'intégrer sur le terrain, il sait qu'il y a un avion qui décolle de la 28, ouais. Donc déjà ça lui donne une information qui est hyper utile, c'est sur quelle piste il va se poser, et il sait qu'il faut faire attention pendant la verticale de faire que tu as un avion qui y monte. On va faire la dernière checklist, donc on s'aligne sur la piste, et donc la dernière checklist c'est gyro, pompe phare, chrono. Gyro, on vérifie qu'on est bien sur la piste 28. La pompe, on la mise. Le phare, on n'en a pas besoin. Et ben, tu peux y aller. Donc, ta main sur les gaz, main gauche sur le volant, et plein pot. Et donc là, à partir du moment où tu as mis plein pot, tu regardes droit devant, et ton avion part à gauche, mets-moi un petit peu de pied à droite. Pas mal. Alors, la puissance, elle est correcte. Garde bien ta main sur les gaz. Le badin, alors attention, là, t'en mets un petit peu trop. Le badin est actif. 50 nœuds, on soulage. Et 60, tu fais ta rotation. Vas-y, rotation. Allez, allez, on va mettre un petit peu comme ça. Okay. Et donc là, tu te rappelles du vol qu'on a fait la dernière fois, tu dois maintenir quoi comme vitesse? 90. 80. 80. Donc là, t'es impeccable. Alors, je te montre juste ça. Voilà. Là, tu maintiens 82.
Le vario est positif, l'alti confirme. Est-ce que tu te rappelles à quelle altitude on rentre le volet? Non. Ben ça tombe bien parce que t'es pas censé le savoir. C'est maintenant, tu peux le rentrer. Voilà. Et là par contre, il faut que tu accélères à 90 nœuds. Donc il faut que tu aies une assiette moins importante. Le circuit visuel te regarde dehors et de temps en temps l'indicateur sur vitesse. Mais le plus important c'est dehors. Un petit peu moins de 90, tu connais, etc. Je te guide, prends un tout petit peu à gauche. Voilà, là tu peux annuler ton inclinaison, faut bien rester sur la selle. Et tu vois, t'as un peu moins de... Ah non, c'est bien, c'est bien. Ça varie un peu. Voilà. Tu vois là-bas la cathédrale de Chartres, le petit point qui dépasse de l'horizon, ouais. Et ben voilà, c'est la cathédrale de Chartres. Et ben justement, tu vas viser la cathédrale de... Alors... On passe 1000 pieds, regarde, je coupe la pompe, la pression d'essence elle descend mais pas à zéro, donc tout va bien. On va faire un virage gauche, donc on regarde à droite, à gauche, et pour l'instant on regarde droit devant, et on va passer, tu vois, sur la forêt là où il n'y a pas d'habitation. Réduire un tout petit peu tes gaz, pour le mettre juste en dessous de 2500. Voilà. Et quand tu fais ça... Et là on va te couper la pompe. En fait, il faut éviter, tu vois, d'être le nez dans l'instrument, ça ouais. Tu sais que tu dois réduire, tu regardes dehors, tu réduis un peu. Il faut réduire beaucoup hein, quand ça descend. Bon. Hop. Ok, on est pas mal. Alors, donc tu vois, je trace un trait à l'endroit où le ciel rejoint la Terre. Hop là. Essaye de faire la même chose. On est d'accord que c'est sur la Lune. Voilà, à l'endroit où vraiment le ciel rejoint la Terre. Mmh. Alors tu vois, c'est pas facile. Hein. Commence par le côté gauche okay. Et tu peux t'aider avec tes deux mains. T'as une main qui tient l'autre, si tu veux. Ok. Et comme ça tout le temps, tu n'es même pas sûr d'être au bon niveau. Plus ou moins, plus ou moins. Ok. Prendre stylo. Donc là l'objectif, alors garde toujours tes mains sur les commandes, c'est de vérifier que quand tu es en croisière, ouais. Ton repère par brise, il est bien aligné sur l'horizon. Donc déjà est-ce que c'est pas mal ton trait plus ou moins sur l'horizon ou pas? Là maintenant? Ouais. Non. Il est comment? Il est en légère descente. Il est normal, ok. On veut le remettre, on va reprendre une espèce. Là il est comment? Là, il est bien. Ok. Donc, tu te rappelles de l'effet Titer. Réduis les gaz et touche à rien. Vas-y, réduis. Réduis. Ah, beaucoup, beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu constates? Il y a ouais. Un écart. À peu près. Ok. Donc maintenant, regarde.
on est à peu près à 110 nœuds, je veux qu'on vole à 90 nœuds. Tu te rappelles combien de nœuds de tour il faut enlever? Pour 90? Ouais, on doit enlever 20 nœuds, donc ça fait combien de tours? Ça fait 400 pour 20... 400, voilà. Ben, enlève 400 tours. Donc on avait 2005, tu mets 2100. On a 90 nœuds, c'est la vitesse qu'on voulait. Maintenant on regarde ton repère par brise, il doit être au-dessus de l'horizon. Ok. Essaye de quantifier de combien. Moi, il est, allez, deux doigts au-dessus de l'horizon. Ouais, je pense aussi. Ouais, je perds en deux doigts. Voilà, donc deux doigts au-dessus de l'horizon, c'est 22 points. Horizon, c'est-à-dire qu'on prend une assiette d'arrêté et on met deux doigts au-dessus et on va attendre de voir. Donc on stabilise ça correctement, on a bien deux doigts au-dessus de l'horizon en permanence. Forcément, qu'est-ce qui se passe? La vitesse, elle augmente. Ok. Alors maintenant, reprends-moi une assiette nulle. Garde ce régime. D'accord. Et mets ton repère par brise sur l'horizon. Maintenant, on va faire un virage à altitude constante. Ok, on a un varionul, moi je suis à peu près sur l'horizon, ok. Ouais. Alors vas-y, incline à gauche, et regarde, donc la sécurité, on regarde à droite, à gauche, t'inclines, et là, ton repère par brise, si tu le mets sur l'horizon, descend. Ton avion va être en descente. Ouais. Fais exprès de le mettre dessus pour l'instant. Ok. Tu vas voir, continue de le mettre bien au-dessus et tu vas voir que progressivement, ton avion il se met en descente. C'est normal, c'est le poids apparent qui a augmenté avec le facteur de charge. Donc maintenant, mets ton repère pare-brise légèrement au-dessus de l'horizon pendant ton virage. Alors pas beaucoup, t'as pas besoin de deux doigts. Et là, tu vois, on a une pente proche du nul. Pourquoi? Parce que ton repère par brise, il est plus ou moins bien maintenu. Ouais. Ok, continue. Alors t'inclines beaucoup, tu pourrais incliner un petit peu moins. Voilà, on est un petit peu monté. Redescends à 1500 pieds. Tu remets tes ailes à plat et redescends à 1500 pieds. Donc comment tu fais? Tu as deux façons de le faire. Soit en poussant sur le manche, soit en réduisant les gaz, tu auras l'effet piqueur. Fais les deux, réduis un petit peu tes gaz, enlève par exemple 200 tours, et tu prends 2 degrés. Alors, tu es d'accord que quand on enlevait 400 tours, on perdait 22. Ouais. Voilà, et ben en gros, tu enlèves 400 tours, et tu prends 2 doigts en dessous de l'horizon. Pourquoi? Parce que si tu touches pas les gaz et que tu prends 2 doigts au-dessus de l'horizon, tu vas descendre, mais ta vitesse va vachement augmenter. Et en prenant...
toutes les visibles, tu les enlèves, il ne faut jamais les laisser dessus. Voilà, tu les mets ici par exemple. Voilà, l'anti-collision off. Et on coupe le master. Ok. Et on va effacer notre père pare-brise. Nos petites cochonneries. Voilà.